faire pour calculer l'aire d'un carré de 7 cm de côté. Et aussi pour calculer le côté d'un carré de surface égale à 81 cm². Nous allons d'abord faire l'esquisse du carré de 7 cm. Rappelons que le carré a 4 côtés égaux et les côtés sont perpendiculaires 2 à 2. 7 cm de côté. Et la formule de la surface du carré est côté multiplié par côté. En d'autres termes, côté au carré. Parce que j'avais dit que pour trouver le carré d'un nombre A, il faut multiplier ce A par lui-même. Donc quand on a côté fois côté, c'est côté au carré. Et là, on nous a donné le côté qui est égal à 7 cm. Donc je remplace C par 7. Donc surface égale 7 au carré. Et 7 au carré est aussi égal à 7 fois 7. Et 7 fois 7, c'est 49 cm². Donc, la surface est égale à 49 cm². Maintenant, pour calculer le côté d'un carré qui a pour R 81 cm². Donc, toujours avec ce carré, il a pour R 81 cm². Pour trouver son côté, nous allons utiliser la formule de l'aire de la surface. Donc, on avait dit que surface du carré, c'est côté fois côté, ou bien côté au carré. Et là, on demande de calculer le côté. On nous a donné la surface, on remplace. Donc, côté au carré, c'est 81 cm². Maintenant, pour trouver le côté, on va essayer de trouver le chiffre qui, multiplié par lui-même, donne 81. Bon, on va essayer, c'est 9. 9, si on connaît bien sa table de multiplication, on sait que 9 fois 9, c'est 81. Donc, puisque côté fois côté, c'est 81 cm², donc côté égale 9 cm. Voilà!